Juin 1976. Sur une monoplace expérimentale, Jean-Pierre Jabouille fait effectuer au moteur V6 turbo sa première épreuve. L'espoir se confirme. La puissance apparaît impressionnante. Elle dépasse 550 chevaux. Décembre 1976, c'est officiel. Renault et Elf engagent leur grand pari. Après les épreuves de promotion, les rallyes, les courses de prototypes, la Formule 2, désormais, la Formule 1 sera leur objectif commun. Ce défi sera total.